Wesh, la team, tranquillement ça se passe. Eh, le petit comeback, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Comment vous allez? Une petite vidéo sur FIFA 20. Ah, ben on est là, tranquillement, on va se faire une petite draft. J'ai pas prévu de faire une draft filmée, donc c'est pour ça que je suis en différé. Mais en vrai, franchement, c'était bien passé. Et alors que regardez la ganache de l'équipe, elle fait vraiment pas envie. Mais FIFA, je commence à bien m'y plaire. J'ai dit que j'allais être actif cette année et j'espère tenir ma parole. Donc j'ai fait une petite draft là tranquillement, vous voyez l'équipe, il y a du Ramos, il y a du Lacazette, mais le mieux, c'est ce qui est le plus important, c'est la Pulga. J'ai eu le Messi, j'ai eu l'occasion de tester. Du coup on est parti sur une petite draft comme ça, la cool. Et on tombe sur une première équipe avec trois icônes et du collectif. Et quand on voit la gueule de ma team, franchement on se dit que il y a l'ascendant quand même sur le papier. Mais bon tranquillement, là on découvre encore un peu le jeu, donc c'est pour ça, on essaye de voir comment ça se passe. Les gens ils défendent pas encore hyper bien, enfin, on le voit à l'image de ce but. Après, Messi aussi, on va en parler dans cette vidéo, mais c'est quelque chose, c'est quelqu'un. Donc ouais, sinon, si on veut être plus général, ouais, il faut que je fasse plus de vidéos. Je sais qu'on me l'a souvent réclamé là sur la vidéo où j'ai pas écrit. Et à chaque fois, je dis ouais, mais j'assume pas au niveau du montage. Donc franchement, si je m'y mets, il y a moyen, parce que je peux mettre du contenu, que ce soit mes matchs division rivale, que ce soit les packs, que ce soit même des drafts. Là, regardez ce draft, j'ai pris grave du plaisir à la faire. Donc c'est vrai, après, il y a les résultats qui ont suivi sur celle-ci. Mais en soi, quand tu fais une draft, tu joues forcément avec des joueurs beaucoup plus forts que ta team en rivals. Donc ça donne envie. Mais là, je parle, mais quand on regarde bien le jeu, là, 28 minutes de jeu, 3-0. Tu vois le start, pardon. C'est très bien ce que ça veut dire, hein. Pas de faire de dessin. Alexander qui plaque encore un golasso. Je mets beaucoup de PES par contre. Je mets que des buts de PES. Du coup, il arrache qui. Et on tombe sur un type Théma sa team. Bale, Neymar, Pelé, Messi, Zanetti derrière, Varane. L'anglais avec Ter Stegen. Franchement, il avait une de ses grosses équipes. Sur le papier, il avait grave le dessus. Mais tiens, moi, ce que j'avais, moi, je les avais au coach en DD que je faisais passer un MOC. Donc, du coup, ça, je vais sortir pour faire rentrer Sandro à droite alors que c'est un DG de base. Et Wilson, je le faisais décaler sur le banc, très clairement, pour faire rentrer Léo Messi. Là, je me suis trompé, sans faire exprès. J'ai trop confondu Alexander et Wilson. Et je mettais Messi, je crois, à gauche, je le mettais comme ça, au moins il pouvait être sur son. Ah, ben ouais, je me disais. Et comme ça, après, il bombardait sur son pied gauche. Et Lacazette, il était à droite, pépère. Et Ramos, je le faisais passer au milieu de l'axe, vu que j'avais un défenseur argent avec qui j'ai fait toute la draft. Qui était pas dégueu, ma foi. Mais franchement, tu vois, Sergio, c'est Sergio. Sergio, pardon. Et là, du coup, Théma, 12 minutes de jeu, Wilfried Zaha était pas encore sorti là-bas, était pas encore était dehors. Et là, Wilson, avant d'aller chauffer le banc, il met son petit golasso. Au moins, il a fait son taf, il a mis un but. Donc j'étais content pour lui, mais je m'en branlais un peu parce qu'il n'allait pas jouer dans les autres matchs. Et donc là, 21 minutes de jeu, on remet la pression, la Pulga, un petit râteau sur le côté droit, une frappe du pied droit, 2-0, on commence le match à la perfection. Frenkie de Jong boost, je peux vous dire que c'est vraiment quelque chose. C'est un monsieur quand même, c'est lui aussi. Il est vraiment bon ce qu'on a. Donc là, Messi, la spéciale, les râteaux, franchement, Messi m'impressionne. Il m'impressionne parce que Théma encore là. Rien que sa vitesse d'exécution, il a gagné un peu en physique en plus. Du coup, tu sens qu'il a un peu plus de vivacité dans ses gestes. Il tient sur ses jambes, comme d'hab, c'est la Pulga. Et là, j'ai un penalty. Il faut savoir que j'en ai raté déjà 3. Là, c'était le quatrième. Je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je peux tirer avec Ramos. Au moins, ça me fera plaisir si je le marque au pire. Tranquillement. Qui a douté ici? En tout cas, pas moi. Parce que Sergio, ça va au fond. Et en plus, il te casse la démarche. Bon, Ramos casser la démarche, j'étais obligé de la laisser au montage, ça. T'es obligé, ouais, et Serkan, c'est pourquoi d'où ça vient maintenant. Et là, ouais, un petit relâchement 4-0, j'ai mal relancé, du coup, bah, au retour des vestiaires, il gagne les 4. Hein. J'étais pas trop inquiet, parce qu'en soi, ça va, j'avais quand même pas mal de marge. Mais bon, 71ème, on voit encore Ramos qui est impressionnant, qui remonte quasiment tout le terrain, qui fait profiter les attaquants, et là devant, je laisse les métronomes se gérer entre eux tranquillement. Si c'est pas l'un, c'est l'autre, si c'est l'autre, c'est pas l'un. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais. Donc après là tu vois une petite équipe encore avec pas mal d'icônes. J'ai l'impression que tout le monde a eu des icônes sauf moi mais au calme hein. Et au coachage je l'avais en DD c'était bien aussi. Et là ouais Théma encore Zaha qui était pas encore sorti, bah du coup je me suis dit vas-y hein, on court et il reculait. Il recule avec ton Van Dijk. Et là Théma il bouge son gardien, mais la tête d'homme c'est bien fait pour toi. J'aime pas les gens qui bougent le gardien. Du coup on punit direct à la 4ème minute et on casse la démarche avec Alexandre. Le poteau de Samuel d'ailleurs, donc en vrai, la célébration, je serais même pas surpris qu'il la fasse en vrai. D'ailleurs, il a dû la faire, même, je suis sûr qu'il l'a déjà fait. Et oui, il l'a déjà fait. Ouais, je viens d'avoir un petit flashback là. Et là, regarde-moi, fils de pute. Enfin, je suis désolé pour le gros mot, mais t'es moi ça. Frère, il te fait un time finishing. En mode 2, il avait rien à faire, il a fait deux drag bags, il tourne autour de lui. Cet adversaire, je me rappelle, il m'a foutu le démon.
Parce que franchement, il me mettait la haine. Et là, quand j'ai mis ce golasso avec rempli de compte favorable, j'étais tellement content parce que je sentais qu'il devait être frustré. Il jouait comme une chienne, on va pas se mentir. Tellement ils exercent drag-back. Et après, ben, avec Okocha, il a bien trouvé et je pouvais rien faire. Du coup, 2-2, ouais, ce match était quand même assez serré. Mais bon, Messi qui trouve la casette, qui l'envoie profondeur. Là, je savais qu'il allait bouger son gardien vers la droite. Je croyais que j'allais croiser. Ben, je tire côté la casette, quoi. Et je mets le 3-2. Et lui, peu de temps après, il refait sa spéciale de mes couilles là avec son drag-back et time finishing. Et pied gauche au Kocha, en dehors de la surface. Ça, je peux te dire aussi, j'avais le démon. Il m'a foutu la haine pas mal de fois cet adversaire. Surtout qu'il attaquait trop bizarrement. Il faisait que tourner sur lui-même dans la surface. Et là, 92ème. Eh ben non. Je t'ai mis une feinte là, non? Là, j'ai pas égalisé. Je l'ai tout simplement mis parce que je pensais que il avait marqué. Mais c'était un angle assez fermé. Donc en soi, c'était pas tant problématique que ça. Parce qu'on a bien entamé les prolongations. Et moi, ce bijou de centre, la Pulga, tu contrôles. Il s'est pas pris, hein. T'inquiète pas, il en loupe pas. Mais si, il m'a impressionné. Parce que je vais pas mentir, j'ai fait une draft avec Pelé, CR7 et tout dans la même équipe. Je crois que je suis sorti au premier tour ou au deuxième. J'arrivais pas. Alors que là, Messi, il est vraiment, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur que Chris. Et pourtant, Ronaldo, il a une belle carte, hein. Il a plus de physique, plus grand, tout ça, tu coco. Et Messi, il est vraiment trop trop fort cette année. Donc là, franchement, 5-3, le gars, il a Kekra. Je vais pas te mentir, il a Kekra. 5-3, il a rage quitte. Et du coup, là, c'est la finale. Bizarrement, c'était pas la plus grosse équipe parmi celles que j'ai affrontées. Mais il était en finale quand même, ceci dit, donc ça veut rien dire. Après tout, quand on voit la ganache de mon équipe. Hein. Donc, voilà, encore la casette. Et je me suis dit, putain, on aurait pu bien entamer la rencontre. Mais finalement, c'était loupé. Du coup, lui, bah, avec Messi, moi je connais Léo, je sais qu'il est fort. Du coup, je me suis dit, je savais qu'il allait mettre la foutre. Mais je me suis pas trompé parce que Tema, il a fait un de ses centres pour Bale. Je me suis dit, ah, ok, super. On avait une occasion de marquer avec la casette, on loupe. Et lui, une punie avec Bale. C'est pas grave. Avec Okocha en tricote, on attend. Lucas, il recule. On fait un drag-back comme le cousin d'autre jour. Et là, Léo, le met surtout pas sur son pied gauche. Hein. Je préfère te dire. Hein. Franchement, je préfère te dire. Même un chien avec une muselière, il est plus offensif que Léo comme ça. Non. Qu'est-ce que j'ai raconté? J'ai voulu faire une métaphore de fou, mais en fait, j'ai juste chié dans la colle. Enfin bref, pendant ce temps-là, ça met des golassos en pagaille. 2-1, 3-1. Là, la finale, elle n'a plus aucun sens. On sait déjà le trophée à finir dans quelle vitrine. Et là, Okocha qui était tranquillement en train de se promener en attaque et qui te met un golasso pour tout rentrant. PK, comme on dit. Moi, je prends, je signe, hein, franchement. Ce draft, ça m'a fait giga plaisir. Ça m'a donné envie d'acheter Messi, d'acheter Lacazette. Mais là, cette frappe de Léo, putain, ça fait quelque chose. Oh, même en différé, t'as le poil qui se dresse. Du coup, on a gagné la draft tranquillement. Franchement, c'était pas compliqué. Et 5-1. Et je me dis, ouais, on va avoir des packs pour avoir des joueurs et gagner des crédits. Tu rigoles. Théma, ces packs de merde qu'ils m'ont donné. Pas encore. Je sais même pas pourquoi je les ai laissés l'animation parce que on sait très bien ce qu'il y aura. Entre guillemets, de la merde, hein, je vais pas vous mentir. J'ai eu le défenseur de Toulouse, ouais, complètement, je vous spoil. Et ouais, bon, là j'ai surtout parlé de pour la chaîne, parce que les packs qui vont pas être fameux, fameux. Moi, ce qui veut bien faire des vidéos, je me sens à l'aise quand je parle et tout. Et j'ai vu que vous étiez. J'étais un peu chaud dans des commentaires, je vois que vous voudriez que je fasse plus de vidéos. Et franchement, je vais m'y mettre, parce que ça me plaît bien. Et FIFA, il m'a l'air intéressant. Prise en main, ça va, je la gère assez bien. Je suis en div 4 et tout. Donc, je vous promets de faire plus de vidéos, d'être plus actif. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Ouais, comme d'hab, hein, là, le petit discours de fin de YouTubeur à 2,50 francs. Mais bon, je suis obligé parce que c'est ça qui fait monter. Likez, partagez, abonnez-vous. Ça fait giga plaisir. Et je compte sur vous, la team. Moi, les man, vous êtes là, hein, les man, comme je vous dis. Et on se dit à bientôt. Ça, c'est sans faute. Vous inquiétez pas. Et je vous laisse, franchement, tranquillement, hein, comme on dit. Allez, ciao, les gars. Bye bye man.